Ça y est, Cinéma Promotion Santé 2023. Deuxième phase, ça démarre. Après la première phase, accomplie dans 100 arrondissements avec succès, voici la deuxième phase dans 100 autres arrondissements. Dans le cadre de la protection et de l'amélioration de la santé de nos populations, le ministère de la Santé du Bénin et ses partenaires organisent la deuxième phase des soirées de sensibilisation et de projection de films sur le maintien de notre bonne santé et celle de nos proches. Cinéma Promotion Santé 2023 dans les 77 communes à partir du 28 juillet 2023. Regardez, regardez autour de vous. Des plats non lavés, des sachets. Là, vous avez préparé dans cette marmite il y a combien de jours? Et ça pue! 100 séances de projection de films de sensibilisation en français, Fon, Dendi, Bariba, Yoruba et Mina, suivis de débats et de jeux sont programmés. Super! La deuxième phase de Cinéma Promotion Santé 2023, c'est des séances de vaccination, de sensibilisation sur la prévention du paludisme, la vaccination de routine, y compris contre la COVID-19, l'allaitement maternel exclusif, la santé de la mère et de l'enfant, le lavage des mais le recours précoce aux soins, l'assainissement et la promotion des gestes barrières dans nos villages et quartiers de ville. Non-respect du calendrier vaccinal crée des fenêtres pendant lesquelles l'enfant est exposé à des maladies. Évitez de ne plus rater les rendez-vous. Tu es contre la COVID-19, hein? Voilà ce qu'on vous dit. Au lieu d'aller vous faire vacciner contre la COVID-19, vous croyez en des remèdes miracles? Population béninoise, profitons de la deuxième phase de notre caravane Cinéma Promotion Santé 2023 pour nous faire vacciner gratuitement sur place par des agents de santé. Participez aux jeux questions-réponses, puis obtenir de précieuses informations sur nos préoccupations. À partir du 28 juillet 2023, prenez le rendez-vous de la deuxième phase de Cinéma Promotion Santé 2023 dans votre arrondissement suivant le programme ci-après. Tous ensemble, protégeons nos enfants, nos proches et nous-mêmes à travers la vaccination.